Bonjour et bienvenue à ce cours Les Fondations de l'Islam, ce cours donc du Théologicum en ligne. Nous allons dans ce premier cours essayer de définir ce qu'est l'Islam. Selon une méthode qui m'est chère et que je vais réutiliser plusieurs fois au cours donc de ce semestre, c'est le personnage de Muhammad, hein, qui est considéré dans la tradition musulmane, dans la foi musulmane, comme un prophète. J'espère que ces vacances vous ont permis de relire, d'intégrer, d'assimiler les 5 premiers chapitres que nous avons vus jusqu'alors. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder dans ce 6e chapitre un deuxième grand corpus, à savoir la Sunna. La Sunna, c'est une collection de paroles du prophète Muhammad.